Des barrages en flammes dans plusieurs quartiers de la capitale. Par endroits, les gendarmes déployés en masse répondent par des tirs de gaz lacrymogène. Mais pas de quoi faire reculer ces habitants venus exprimer leur colère après l'annonce du report de la présidentielle. Macky Sall attend le dernier moment pour reporter l'élection. Le scrutin se tiendra de gré ou de force le 25 février. On ira voter. Le président de la République est en train de violer la Constitution de manière très flagrante. En marge de l'un de ces rassemblements, l'opposante et ex-première ministre, Aminata Touré, a été arrêtée. La veille, elle dénonçait une régression démocratique sans précédent et appelait à la mobilisation. Sur les réseaux sociaux, la candidate à la présidentielle, Anta Baba Karngom, affirme elle avoir été brutalisée avant d'être interpellée par les forces de sécurité. Par ailleurs, les autorités ont suspendu le signal d'une chaîne de télévision privée, coupable selon elle d'incitation à la violence, après avoir diffusé des images des protestations. Face à la presse, le numéro 2 du parti d'Ousmane Sonko, opposant actuellement en prison, annonce un recours en justice contre le report du scrutin. Le groupe parlementaire Yewi Askanwi va déposer demain au niveau du Conseil constitutionnel un recours contre la résolution mettant en place la commission d'enquête parlementaire. Nous attendons également la promulgation, il faut qu'on informe tout le monde, la promulgation de cette présente loi sur le report de l'élection pour l'attaquer au niveau du Conseil constitutionnel. Interrogé sur France 24, le porte-parole du gouvernement sénégalais répond aux attaques de l'opposition. Vous voyez aujourd'hui des gens qui manifestent, des opposants, alors qu'ils ont saisi le président de la République pour se plaindre du traitement de leur parrainage en vue de leur participation à l'élection présidentielle. Donc ce sont des gens qui disent le soir, le parrainage n'a pas fonctionné, le Conseil constitutionnel n'a pas bien traité nos parrainages, et le lendemain qui disent non au report, alors qu'ils ont demandé qu'il y ait un report. Le Parlement doit débattre lundi d'un projet de loi proposant la tenue de l'élection présidentielle le 25 août et la prolongation du mandat de Macky Sall jusqu'à la prise de fonction de son successeur.